H2O News a participé à la première édition de la remise de prix aux meilleurs étudiants en communication organisée par l'Université Pontificale Grégorienne à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales. Le Centre interdisciplinaire sur les communications sociales de cette université a en effet créé des prix afin de récompenser les meilleurs étudiants et a demandé aux plus grands médias catholiques de remettre les prix pour encourager les étudiants dans leur formation et les motiver à devenir de grands professionnels. Radio Vatican, l'agence Zénith et le journal La Croix, représentant respectivement la radio, Internet et la presse écrite, ont participé à l'événement. Les lauréats de cette première édition sont Johan Boer de Roumanie, Arkadiusz Sawadogo du Burkina Faso, Agi Georges de l'Inde, Andriy Kozlov de l'Ukraine et le français Stéphane Jourdain. Andreas Corsoni, cofondateur de H2O News, a récompensé les étudiants dans les catégories vidéo et multimédia. Sylvia Costantini et Jesus Colina, cofondateur de H2O News, étaient présents à la cérémonie. Avant la remise des prix, Mgr Paul Tiguet, secrétaire du Conseil pontifical pour les communications sociales, a présidé la messe pendant laquelle les fidèles ont prié pour que l'Église sache utiliser comme il se doit les médias et les nouvelles technologies.